Bonjour, mesdames et messieurs, c'est la nouvelle vidéo le cap que tu comptes d'Anta Kawatwan pour la quatrième épisode, je crois bien, ah oui. Et nous sommes ainsi arrivés à la Terre. Dans la dernière épisode, nous sommes arrivés sur Terre en dessous des nuages, lequel nous avons exploré un peu la forêt de Firor. Et oui, ça s'est très bien déroulé afin de trouver des petits amis un peu partout. Oups. Et là, nous avons plutôt fini cette forêt, je crois. Mais plus ou moins, pas tant pourtant, on a trouvé les petits papoutes, Romy, Jasmine, Pico et Mathéo et Canom. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses à faire encore, mais nous allons nous attaquer au donjon. C'est-à-dire. Ok, on va faire le donjon qui, pour le moment, juste titre, lequel que. Peut-être Zelda est là-dedans. On va aller voir. Qu'est-ce que ça fait? Oh! Oh, il y a quelqu'un! Ah, on est même pas au temple encore! Oh, what? Je suis certain que c'était le temple! On a un petit bout et il y a encore un petit peu grand bout! Oh, wow! Ah, il y a des plages, j'ai pas tout exploré! Eh oui, pourquoi tu... Ok, cool. Ah, paix! La végétation est identique à celle de la forêt Firor. Nous sommes très probablement au cœur de la forêt. Dame de date est guidée vers le temple. Reprenons nos recherches. Allez, allez, c'est parti! Non! Et voilà. Voilà. Pourquoi deux cheveux? Ah, parce qu'il y a un nid d'abeilles ici. T'as rien d'aller au nid d'abeilles pour faire tomber ça, on va se faire manger. Ah, voilà. Wouhou! C'est ça, on n'est pas capable de le tuer. Tiens, voilà, donc c'est ça, ouais. Et voilà, très simple de garder l'équilibre. Tu veux bouger ta manette de gauche à droite. Lui qui avance. T'es plein qu'il peut pas aller plus vite que toi, mais c'est un petit peu normal. On se sauve, parce que je crois qu'il y a quelque chose en haut là. Un raccourci en fait. Et voilà la raccourci de l'arme de l'abeille. Pas besoin de ça. Et voilà. Et. Waouh. Non. Et voilà. Et voilà. Hey! Je te connais, toi! Viens donc ici un peu, j'aurais besoin de ton aide. Il faut que je trouve comment. Ok, on va sauter. On peut pas sauter quand on est sur le côté, comme ça. Tant peu. Je sais pas pourquoi qu'il donne des barres de samedi ici. Ah, je voulais pas la remonter. T'es vrai, faut pas chier de l'imiton là, c'est le jeu. Oh! Ok. Pas pire que je peux faire secouer d'avant. Et voilà! Comment?
Oh, ça va bien, fait. Voilà. Récupérer une vidape de pilote. La caravane a plus aucune tente. Ok, cool. On aura besoin un jour, là. Et ça, t'es dé. Ok. Petit chiron d'épée à ma gauche, à ma droite. Il a tenu une perle d'arbre dans le fond, je l'ai déjà eu. Pourquoi il ne l'a revive quand on l'a déjà eu? C'est une fois par game. Ah. Voulez-vous sauvegarder? Oui, je veux sauvegarder, bien évidemment. Comme d'habitude, j'ai aucune idée à quelle heure que je commence à filmer. Donc, je sais pas juste quel épisode va être long, mais. Je pense pas qu'on parle de cas. Oh! Je crois que oui. Non, attends, je disais. Oh! On perd rien, c'est ça qui est drôle. T'as fait pas mal, mais t'as fait mal. Yeah. Oh yeah! Ouais! Je pensais que j'avais coupé trop vite, là. Oh, pas aussi simple que les autres. Bon, toi. Tu arrives au bon, hein? J'avais juste trouvé quelque chose, donc, par les écrits d'entier. Le tel. Regarde! C'est un trésor de l'ADN, c'est le type pour les gros venus du ciel. J'ai appelé ça un cube de l'ADN. on peut aller dans les écrits d'entier. Si la portant de l'épée des cieux touche les touches des cieux, les touches de la lumière issue de la lave et t'en sera récompensé. T'as l'épée, toi, je voudrais que tu m'aides à résoudre tes gibes. Ok. Oh, ben c'est bien! T'as que j'ai fait un métal dont je n'ai jamais vu, j'ai beau frapper des très fort, il n'y a pas besoin de faire de moindre bas. Je voulais bien dire quelque chose, l'épée des cieux, la lumière issue de sa lave. Quoi? Ok, lève l'épée et voilà. Oh, le cube est parti dans le ciel, tu me tais. Il a régi la lumière et ton épée. Qu'est-ce que le cube m'a pu bien se remonter, le mystère devient de plus en plus mystérieux. Dans les écrits d'entier, il y a de nombreux cubes sur Terre. Sans trouver d'autres, dis-moi si tu en feras plus à leur sujet. T'as quelque chose à me demander? Le temple, oui! Les écartiers expliquent que le bâtiment se trouve à proximité s'appelle le temple de complétation. Il accueille des êtres venus du ciel. Tiens, je pense qu'il y avait une vieille plaque de pierre dans le coin. Pourtant, les descripteurs devraient t'aider à trouver comment entrer dans le temple. Ok. Oh, what? Quelque chose qui est tombé. Oh, dis. Yay. Pourquoi sortir ça là? Ah, parce qu'en fait. Et voilà. Mouvement fait. Deuxième pierre de tête. Il y en a plein. Mais, peut-être qu'il n'y en aurait pas autant. Il me semble qu'il y avait. Non, enfin. Maître, je retourne la garde dedans à l'intérieur de cette construction. Oh, t'as appelé une construction? J'appelle ça un temple. Oh! What? Ok, des lumières bizarres. Cependant, je retourne également la présence de multitude de bon. Toi, tu veux, tu devrais me construire. Hey! Oh non, on décide qu'on arrête ici, moi je peux au jeu, bye! On était prudent, bah oui! Comme si je ne serais pas prudent! Si le danger vient trop grand, vous pouvez toujours retourner dans le ciel pour mieux vous préparer. Il y a toujours au bord de entre vous un bouclier de protéger des potions pour vous soigner. Repartons à la recherche de dame de dedans. Mais tu veux que j'aille me préparer ou tu veux que je.
Ou que tu veux j'attelle. Ah oh, mais là là la poutre là. Pi. Ah oh, bah oui. Kabar il joue de ça, il faut tirer ta la pao. Comme si j'avais besoin d'aller lire. Le premier temple, c'est parti les amis. On va savoir comment je me débrouille dans le temple de la forêt. Allons voir ça. J'aimerais avoir un meilleur bouclier. Je dois en avoir plus loin, mais peut-être que j'ai la même chose. Enfin, je trouve pas beau mon bouclier en bois. Pas beau. Oh. Le temple de la contemplation. Je vais contemplater. Ce temple. Oh, maître, veuillez prendre connaissance des informations pertinentes. Je ressens les dollars maléfiques et de nombreux bandes dans ce temple. Il est impossible d'isoler celle de Dame de Neuf pour la localiser. Vous ne pouvez donc pas essayer la fonction de détecteur de ces ondes. Je vous recommande d'aider la cité à l'aide de la vue suggestive. Ouais, mais. Ça va. Oh! On va re-sauvegarder dans le temple cette fois-là, comme ça, ben. En tout cas, par dehors du temple, tu sais, c'est moins loin, hein, une porte de moins près de chien. Ah, ok, c'est cool. Ok, c'est très difficile. Ruby. Ruby. Oh, t'as donné un point si je le coupais à la bonne place. Pourquoi on monte en haut là? Oh. C'est ça, bas. C'est un petit peu. Ah! C'est un petit peu évident qu'il fallait frapper la plante avant d'aller là. Et voilà. Donc, ça ouvre une porte. La porte va ouvrir quoi? Ah, oh, il faut aller ici. Ah, si je me souviens bien, j'avais tellement de misère là. Ah. Ok. Oh my god. Oui, c'est vrai. Je savais pas quoi faire là-dedans. Donc, Schlagwitz. Il suffisait de faire 3 tours. Avant, j'avais aucune idée quoi faire. J'avais pris je sais pas combien de temps à figurer ça. En faisant n'importe quoi, on m'a dit, ben. Tu me disais, hey, what? Ben oui, il fallait te faire 3 tours pour comme ça, là, il devient. Ok. On va re-sauvegarder. Parce qu'on sauvegarde pas assez souvent. Ça fait juste long. Ok, donc. On peut pas aller là. Oh. Merde. Ça c'est barré, ça c'est fermé. Ah, j'ai tellement de misère avec ça là. Ah.
Donc ça va ouvrir une porte. On va explorer la pièce avant d'aller plus loin. C'est bien beau, on va ouvrir une porte, mais des fois, il se cache d'autres choses. Et voilà. Oui, j'ai déjà fait le donjon un peu, puis c'est ça qui arrive. J'ai déjà joué au simulateur, donc je sais un peu quoi qui arrive. Mais je me suis pas rendu loin dans le jeu, je me suis juste rendu, juste fini le deuxième temps de la titre. Donc c'est certain que j'en sais un petit peu, mais hey, t'as fait longtemps, puis là, je joue pour la vraie expérience, avec les vrais contrats. Donc, beaucoup mieux. La musique est assez spéciale. Ah. Ah, j'ai tellement de dedans. Ah là. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça ouvre un raccourci. Ah! Tududu. Allez ici! Je sais pas pourquoi on dirait celle-là avant, mais. Ouais, badum. You shall not appeler tes. Lève, lève. Oh yeah! Minute. Faut rien faire, je crois, à tes araignées. Il faut que. Ah! Ah, j'ai oublié. Hey, je me trompe de putain. Ah, je veux pas tomber en bas. Non, va falloir remonter. Et voilà. Ah! Ah boy, j'étais concentré là. Oh! J'ai brisé mon bouclier à moitié, donc... Et devant, il y a Pierre qui lui coûte quelque chose. Oh what? Je pensais pas de la faire tomber. Allez là là! Nous sommes en haut de la première pièce. Pourquoi faire? Faut un petit trésor, il ne faut pas tomber. Vous obtenez la carte du donjon. Oh my god. Oh wow. Hey, je vois dedans. Je peux même savoir où dedans il est. Wow. Oh ouais, les coffres en plus sont indiqués. Ben, veuillez prendre une connaissance des informations pertinentes. Vous avez obtenu la carte de cette don. Appuyez sur plus pour la compter. Vous pouvez y vérifier l'emplacement des symboles X. Ainsi qu'à l'état des emplacements des portes et des coffres. Cependant, comme tes dons d'être fermés, veuillez noter que l'utilisateur de valide est impossible. Ben, t'es possible, mais tu verras rien, dans le fond. Je m'en fous, moi. Parle-moi pas. Hihi. Allez voir s'il y a des coffres encore à cette zone-là. C'est quoi les X encore? Oh bah, too bad. Ah. Oh non, 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 non. Je suis pas capable de faire d'attaque pourtant. Too bad. Je veux pas le battre contre ça, moi. Quand je peux les éviter. Il est tout cheap. Donc faut aller de l'autre côté maintenant. Ah.
Ok. Je suis tellement pas confortable, bon, tout faf pas. Ah. Ah. Non, 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 non. J'attaque à des attaques. J'attaque à des attaques. Faire tard. C'est pas le plus simple. Ok. Oh, oh yeah. Ok, donc il y a des pas des griffes, il faudrait être des cas. Oh oh oh. Oh non 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 non. Tourne. Oh là 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 là, je peux pas faire ça. Pense même pas te laisser faire de la tuer. Non. On va oublier tout, ça va être trop complexe de faire l'attaque perdante sur la galerie qui bouge toutes les bords. Ok, on est en train de mourir sur un petit bon truc, hein. Alors, je vais le noyer là-dedans. Oh, l'eau bon. Comme que je peux pas plonger. Ça, je peux pas rien faire. À quoi ça servirait d'aller là? Absolument rien. Ok, là maintenant je peux faire quoi depuis que j'ai monté l'eau? Oui, merci. On va pas attendre le bruit. J'ai fait une clé. L'eau elle a monté. L'eau a pas monté encore au maximum. Non. Ok. Alors derrière monter l'eau, peut-être que cette côté-ci va avoir changé. J'en ai aucune idée, on va aller voir. Je me demanderais pourquoi ça aurait changé au juste. Il n'y a pas d'eau ici. Hey, t'es quand même t'es content ce temple là. Je sais pas si t'es le même tous les temples là, mais en tout cas. L'eau. Ah ah. Oh non. Faudrait que l'eau monte encore. C'est sûr qu'on n'a rien fait dans cette pièce-là. Ah, je suis certain que je peux nager de l'autre côté depuis que l'eau est haute. On va aller voir. Ça.
Ok. Et d'accord. Ça va. Ça la cas. Ah bon. Les portes des pièces intégrales s'ouvrent lorsque les joyaux sont frappés. L'un est en haut, l'autre est en bas. L'un est en haut, l'autre est en bas. Ok. Ah ah ah. On l'a tué au moins l'araignée. Ah. Bon. Attends, j'en ai aucune idée. On va aller là. Enfin, j'ai déjà ouvert les portes du côté. Il suffit qu'il faut que je fasse monter l'eau. Pour moi, j'ai oublié un joyau ici à quelque part. C'est sûrement ces deux côtés qu'il faut faire monter l'eau. Même si j'ai là en bas. Ah, ben oui. Ah ah! Ah voilà! Je crois qu'il y avait une petite porte. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire en fait? C'est aller entre les deux araignées. Que je savais vraiment pas. Bon, l'eau est haute. On peut nager en toute l'eau, mais j'ai pas le costume. Dans ce jeu-là, tu peux pas dasher comme dans Twilight Princess pour aller plus vite. Mais non, j'ai la même manière! Hey, j'ai pas beaucoup de cœur. Qu'est-ce que t'as dit dans ce jeu-là? Oui, t'as plus de cœur au début. Par contre, en ayant plus de cœur, c'est pas nécessairement plus facile. Parce que le gameplay, oui, on s'entend qu'il est... La barbière qui l'est faite... pas pareil, être l'épée. Oh, waouh! Pas moins de cœur, oui. Par contre, il n'y a pas perdu moins de cœur. On a plus de cœur, mais les ennemis font plus de dégâts. Pas toutes, mais la plupart. Tu vois, ça, donc, elle pouvait pas monter, là. Donc maintenant on va être l'autre bord. Pourtant c'était assez simple à y aller, mais pof, tu finis de t'avoir. Bon, d'arrêt. Oh. Ah là 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 oui. Oh 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 oh. Hey. Pourquoi fallait la battre en fait? En fait, fallait aller ici. Faut que les deux œils les regardent. Qu'on tourne encore. Oh boy, parce que je suis pas bien placé pour mettre mon épée en bas donc. On n'a pas le choix de venir ici, on n'a pas le choix de tuer l'araignée. Ah! Tout ça pour obtenir une fameuse clé pour porter à la première porte. Ah! Wow! Les grands petits détours. Hey, pourtant! Le temple en ce moment, c'est pas les plus complexes, c'est pas les plus gros que ça. Mais ça reste qu'il m'a bien perdu.
pour le voir. J'ai bien perdu dans peu d'affaires, donc... J'imagine pas le voir plus tard. Quand tu vas activer une telle Twitch à telle place cachée que je sais pas trop où. Non, non. Bon. Et voilà. Je vais enfin ouvrir notre première porte à clé du jeu. Et certainement pas la dernière. Oh, une grande pièce. La salle du boss, ça doit être en plein milieu. Ou la clé du boss. Donc, évidemment, on va... Faut te dire que c'est quand même très beau ce jeu-là. Comme toutes les autres, leur texture du jeu est tout à fait beau et spécial. Pourquoi aller là en premier? Oh, mauvais putain tout à l'heure. Et un mini boss. Oh, t'es... Oui! Je m'en doutais tellement. Oh non! Oh! Aïe, t'es... Ok. Voilà, on l'a fait. Oh yeah, combo! Oh, pas simple du tout. Oh, tout ça pour un FK. Ça, c'était challenge, les amis. Pas vraiment pas simple, je pense qu'il y avait des petits cœurs. Oh! Tout. C'est vraiment vous qui faites les trucs. Hey, j'imagine pas plus tard. Je m'emmenais mort dans le groupe, je faisais pas grand chose. Et ouais, petite gadget que j'ai obtenu. J'ai obtenu un nouvel objet. Voilà, il dit que cet objet est en forme d'insecte et capable de voler. Dis que je l'ai une tente à l'aide. Ok. Ah, j'aime ça couper de l'herbe. J'ai oublié que je pouvais faire des attaques tournantes. Comme ça. Donc, le scarabée, voilà, peut voler en dehors d'ici, donc... Allez là, oh! Il devait y avoir quelque chose à y faire ici. Oh, wow! Putain, voilà! Et... Ah là là! J'ai pas fini. Ah, quand. Oh. Ça donne-tu un cas? Oh yeah! Yes! Pourtant, j'ai récupéré un cas qui t'avait pas donné de cas. Attends de comprendre. Ah, oh, c'est quelqu'un qui revient, j'ai gagné un cas. Comprenez? Quand même. Faut quand même qu'il revienne, sinon le cas est pas revenu. Et voilà! Combo Breaker! Oh! Ça vaut-tu la peine? Où je dis ça vaut la peine? Non! Non!
Merde! Oh bah j'ai que... Bof. Bof. Ouais, tu vas pas compter. Et voilà. Je suis quasi certain que mon carabine... Bon, on va aller voir derrière là. Tête de champignons. Pas que des rubis, t'es pas trop intéressant. Des rubis, des rubis. Qu'est-ce que t'as fait si je fais Ici, il y a sûrement quelque chose de... T'as bien plat. Oh, des cotins. En fait, faut qu'ils reviennent. Je peux pas le faire tourner plus que tarta, je crois. L'hyper plus tard. Yes! Hey! Allez, perdre. Oh! Yeah! D'accord, d'accord. Wow, je m'attendais pas à ça. Pouf! Donc. T'inquiète, ça doit pas voir grand chose. Oh, bon. Je vais triche. On va sauvegarder. Et voilà. Quand même, assez important, surtout qu'on a récupéré l'objet. Objet. Je suis en train de quelque chose en arrière. Non! Non! Oh non! Yes! Donc, il faut que je fasse D. Et voilà. Dans le fond, je pense qu'il faut. On peut même pas récupérer une fête, une bouteille. Oh, quelque chose de pauvre. J'ai-tu vraiment fait l'erreur de sauter? Non, ok. Parce que je pensais avoir déjà venu ici. En fait, quoi? Non. Allez. Et voilà. Je me doutais qu'il fallait venir ici. On pourrait venir par un autre côté. Oh non, c'était que pour faire monter l'eau. Regarde, je suis certain que la porte est bourrée à clé en arrière de moi. Il faut y atteler, il faut... Non! On va aller voir d'abord. Qu'est-ce qu'il y en est-il de ce côté? Ah! Et voilà. Quelque chose d'autre à faire? Oh yeah, t'as tout ça pour obtenir une petite clé. Oh. Je vais... Ça? Ça a pas de l'air à marcher, ça. Les deux, ils font pas le tour. Il y a trois d'œil. Ça va quelque chose à faire ici. Pourquoi ta terre virait ça? D'accord, pas besoin.
À part que j'ai figuré qu'elle pouvait monter là. Il devrait bien avoir quelque chose ici. Non, ah, allez, Link, regarde le ciel, il faudrait que je reste okay. D'ici, reste entré. Ah, voilà, c'est ça, reste en l'hôpital. Je peux reste entré. Bon, donc c'était évident, il fallait un bloc en bas. Certaines hauteurs, ben évident. Il faut un bloc en bas, faut que tu ailles plus haut pour être capable de... Oh crap, t'as eu de l'énergie. Link, Link. Il est fort. Fort pitoyable. Pep, pep, pep. Ah, voilà. Donc, Adaya, ça. Ok. Et voilà. On va pouvoir me déplacer dessus. Sortez mon épée et... Oh yeah. Et voilà. Ne fallait que... Avoir de la hauteur. Qu'y a-t-il derrière tes coffres? Une clé? Sûrement, j'espère. Un autre corps de cœur. Qui est tellement drôle. Yay! Une clé. Dans le fond, c'était obligatoire. Bon, t'es bien, une clé, on va pouvoir sortir par en haut là. Enfin, on peut même plus descendre en bas, même si on voudrait. Parce que je les ai pas nagés. Oh 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 oh, en fait, elle a réussi, j'ai pas battu. Pas besoin de battre la gagner. Puis. Puis. Je vais te sauver, bon. Pas besoin de battre d'araignée, je suis passé. Pour un échange de un cœur. Pas de pire. L'araignée était smart, qu'elle était à son piège. Comment dire, elle m'a emprisonné. Bon. Il y a sûrement une porte de l'autre côté, il y a CD aussi, ici. Ah ah! On va pas char. On va toutes les tuer. Oh oh. Oh non. Et voilà. Tout, 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 tout. Et voilà. Donc, pas de catastrophe ici. On passe sans aucun problème. Oh oh oh. Eh non, c'est le fun de ce jeu-là. Hey, je suis bien plus content de jouer à ça que des jeux de PS3 ou n'importe quel autre. Que sincèrement, c'est tout à le fun de Zelda. Peut-être, nouveau contrôleur, ouais. Ouf, pas facile. Comme un touffe qui swing. Oh yeah. Oh wow, ok. Oh, fallait que je frappe les trois têtes. Frappe les trois têtes en même temps. Ah ah ah. Et voilà. Il aurait fallu que j'attende qu'elle attaque une fois. Donc j'ai eu la paix pour le temps pour frapper. Déjà mes attaques. Bon. J'attends le temps d'aller plus vite que le jeu me le demande. Et voilà. Youhou! Mario!
Nous sommes en haut derrière la porte barrée. Et voilà. Donc voilà notre sortie pour aller à la porte de tout à l'heure. Qui était barrée, donc ça va être un raccourci à place de faire le tour. Pour retourner à la pièce de tantôt par ici. La grande pièce ouverte. Je me suis bien. Donc, il faudrait que je... Il doit bien avoir quelque chose avec ta affaire avant. Allez voir là-bas. Ok. En fait, j'ai pas le choix de passer. Ben, pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a là, là? Ah. Ok. On va activer ces choses-là. Et voilà, c'est pas la manière la plus rapide, on s'entend, on aurait pu faire goûter les shots. Je sais pas si les balles se rendent. Ok, quoi ça? Ah, je vais pas hâter là. J'ai pas d'autre chose à faire que ça là. Et voilà. C'est alors facile à garder les clés. Bon, il faut une porte attelée. C'est ton point qu'il n'y a pas d'ennemi ici. Je pense que ce bonhomme est autant en bas à envoyer ma petite bébelle volante. Oh yeah! Donc, on peut pas aller là. De l'autre bord, il y avait une place pour grimper. On ne regardera pas tout de suite. Attends pas. De toute façon, la porte botte est à côté. Ok. Oh my god. Oh yeah. Parkour extreme. Oui. Pas mieux de tomber ici. Aïe. Aïe. Descendre, te balancer. Oh! Je voulais pas manquer ça. Donc il faut vraiment avoir la bonne culture droguée pour la bonne place. Ah! Aïe! Aïe! Donc la porte a resté tout à barrer, peu importe ce que j'aurais voulu essayer faire. Donc c'était bien que j'ai réussi. Donc là on va sauvegarder avant de porter la porte du bas.
Parce qu'on n'a aucune idée à côté de l'autre bord, à part côté que la seule chose côté est un bot. Donc, c'est sûr qu'on avait un petit bonhomme avant qu'on rentre dans le temple. On n'a aucune idée c'est quoi, c'est qui. Mais, on va aller voir la porte du bot maintenant qu'on a tout gagné. Oh boy. Dead? C'est quoi dead? Ah. C'est vrai. Non. C'est là-bas. Ah. En fait, faut que j'aille. Ça, c'est l'autre bord. Ah, what? Oh my god, c'est sérieusement pas drôle. Pourtant, ça... Ah oui, ben oui, t'es... Et voilà. Ah! Pourtant, un petit cube 3D, un petit. Oh là, le petit cube 3D, il était tout perdu. Finalement, je tourne ma manette et tu es comme. Ah, quel mort fallait que je tourne. Et voilà! Que la vérité combat. Que la vérité soit. Oh! Hey, bonjour toi! C'est bientôt qu'on avait vu! Kété, regarde qu'il a... Hey! Non seulement tu as survécu ma tournade, mais en plus tu as réussi à frayer un chemin jusqu'ici. Et avec tout tes manteaux en plus! Fait, on a le temps de me révéler aucune espèce importante. Ce qui m'intéresse, c'est la jeune fille qui est derrière cette porte pour jeter une puissante aura. Quoi qu'il en soit, nous sommes emparés de sa saleté depuis son perchoir dans les nuages. Désormais, elle nous appartient. Mais je ne suis pas encore présenté. Quelle m'appelait-il je fais parfois? Je suis Giralyab, monarque démoniaque de ce monde de vous faire appeler la Terre. Je me morphirai pas si tu ne m'appelles, Seigneur. Giraïb, en fait, ce que je peux faire. Ouh. Ah, tiens, tu vas te garder ton épée dans mon dos. Quelle impertinence. Alors qu'il est là, la jeune fille devrait déjà être nommée. Mais il a fallu que cette maudite servante de la déesse intervienne et nous la ravive. Imagine-tu un tel état, comment je peux me sortir? Furieux! Engagé! En colère du même intéclante! Ok, humain! La douleur que prennent les événements me donne envie de commettre cette atrocité! Cependant, il ne serait pas digne de seigneur démoniaque de mon calibre d'assumer ta vengeance formidable comme toi. D'emblée, je te promets de ne pas te tuer. Genre, je devrais continuer à t'infliger les pires souffrances qu'aucun humain n'a jamais endurées. Ok, quel combat commence. Oh yeah! Comment c'est quoi ça là? Achetez-vous. Quoi ça? Ah! Tu me regardes pas? T'as la boîte, what the? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ça?
What the hell? Ah, t'as bien une belle épée que tu as là, mais tu fais pas te venir, t'es juste pour l'arrêter de tout, mais... Ok. Ah, what the hell, man? Oh! What the hell? Ok. Ici, je tourne. Oh. Ça te fait les diabies? Oh, what? Ok, lui aussi a des épées. Oh, what? Oh, non, 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 non. Oh my god, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh yes! Non. J'ai plus de cœur en plus. Quand je peux mourir un boss, le plus simple du jeu. Essaye de comprendre ça. Ah! Je suis pas bon. Je veux plus le bouclier. Oh là 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 là. Ah non non non. Bon. On se concentre. Ah bon, voilà. Voilà. Et voilà. Bon, ça n'a pas été long cette fois-là. Ok, quand tu sais, minimum quoi faire. Ah, comment tu veux que je fasse ça? Ah.
Ah là 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 là. Ah ouais. Oh non, là 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 là. Oh oh. Oh what? Oh what? Oh my god. Ah là 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 là. Ah. 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 T'as pas évité de me revoir. Ah ouais, hein. Finally! Finally! Ah. Tiens, tiens! Je vois que tu es quand même bien ébouillé pour un jeune blanc, mec! Mais tu n'es pas vraiment que tu mérites tant ton épée, tu me ravirais d'un coup. Bon. Bon, on a arrêté de jouer avec toi, je n'entends plus la présence de la jeune fille. Je n'ai donc plus de temps à perdre ici. Adieu, enfant des cieux, je te pardonne. Pour cette fois, mais je conseille de plus croiser sur ma route. Oh my god, man! C'était vraiment pas simple, surtout j'avais plus de bouclier, je pouvais plus contre-attaquer. Ah. J'imagine même pas la fin du jeu, oh mon dieu. Ou n'importe quel boss. Ah. Ok. Yeah, vous obtenez un étape de cœur, votre énergie est maximale et top. Yeah. Alors, j'étais traité là, faut surveiller mes mouvements, pis tout le kit là. Ouf! Là, je l'ai eu. J'en reviens pas, je suis mort encore. J'en reviens pas, je suis mort. C'est beau ici.
En fait, quand il m'a envoyé toutes tes lumières, là, il a fallu que je fasse ça. Et dans la direction qu'il me l'envoie, il m'a envoyé un paquet d'heures de lumière, mais quand j'ai les refrappé, ça faisait pas grand chose. Mais si j'avais ma lumière, ça aurait été tourné plus fort. Donc, et voilà. Et voilà. Ah ben, c'est pas grave. Pas grave, pas de tape, ce jeu-là. Mais bon, en plus de cas, ben, faut faire les bons mouvements. Pas comme Payday Piton, là, t'es vraiment faire le mouvement. Maître, t'as écrit dans les rédigés dans les langues qui appartenaient les dieux. Ok. Je vais vous traduire ce passage. Des David du temps nous guiderons celui que la déesse aurait une mission invertie. Le pétrette des dieux pour ton corps purifié te mettra en chemin pour deux terres ta clé. D'après la source de contemplation, la tour de la terre est ta destination. Qu'à la contrée d'Odin, où rouge coule la pierre, ruisselle cachée de tout, source de la terre, portée par ta mission, la pétrette de tes pour tes terres lointaines te mettrait en chemin. Oh yeah, l'autre perle pour les. L'autre perle pour le ciel! Faut la porter en haut. On faut retourner à Tkalof. Oh, excusez. Oh! Ça va pas j'allais pour toute l'épisode, mais là ça commence. Oh yeah! Maître Lick, selon les mots que je vous ai traduits, Dame de Dot aurait venu ici pour se purifier. La probabilité qu'elle soit ensuite négative en tout suivant des termes de, est de 97%! Je ne possède cependant aucune information sur la manière dont elle s'y est rendue. Selon mes estimations, vous devez retourner à Tillitsburg pour placer la pierre de terre pour la lever. Et si une nouvelle colonne de lumière devrait élever de la terre pour vous permettre de continuer vos recherches d'âme de vie. Il devrait y avoir dans une forêt dispositif permettant de garder le ciel. Ok. Wow. Ah. J'ai plus de bouclier. Oui, je vais tout garder. J'ai plus de bouclier, malheureusement. Il me l'a bridé carrément. Oui! Eh oh, le verre, t'es-moi, tu as trouvé la jeune fille que tu allais chercher? Pas encore. Oh. Oh, c'est dommage. Mais moi, tu sais où qu'elle est, oui, c'est déjà fait, non? J'ai retrouvé mes amis, oui, c'est grâce à toi, le verre. J'espère que tu trouveras la fille que tu recherches à la revoyure. Donc, sauvegardons. Ben oui, les amis, ça va être la fin de cet épisode parce que, pouah! On peut dire que, faisait les loups. On t'est bien amusé à chercher partout et trouver aucune indice que lequel que. Ben, aucune indice. J'ai même été mort une fois, ça, j'en reviens pas. Quand je peux mourir une chose devant. J'en reviens pas mourir une fois. Devant là, je meurs pas dans un jeu de dada, mais là, là. La première fois dans un jeu de dada que je meurs devant. Et voilà. Donc, bon, ben, c'est ça, les amis. J'espère que cet épisode vous a bien plu. Moi, c'est certain quand même bien plu. Donc, je vous dis surtout, n'hésitez pas à tuer pour le prochain épisode. Comme je vais finir le jeu, inquiétez-vous pas. Je vous dis surtout, prenez soin de vous et bye bye!